Donc à droite, vous avez le musée de St. Mungo et en face, la plus petite maison de Glasgow. Presbytère. Donc normalement, il y avait 32 maisons exactement comme celle-ci sur votre droite. Place principale de George de Glasgow, où il y a 12 statues. Avec le sucre, ils commercent avec les Caraïbes, le sucre, le rhum, le tabac. Donc au 19e siècle. Donc Glasgow est une blue ville. Donc nous avons tout droit à l'église, la place Nelson Mandela. Donc le City Chambers, dans lequel je vous ai fait passer la brochure, a une extension donc 1927. Register left. Ici sur George Square, donc on retourne à Londres. Statue de Thomas Graham Chimiste. Un bâtiment impressionnant côté est de la place, avec le drapeau de Saint-André. Et la gare de Queen Street, là vous pouvez prendre le train pour le Harry Potter. Et alors il y a des premiers ministres, donc Gladstone, ici à votre droite. Donc nous avons le Lord Provost, donc notre bourgmestre. Thank you.
construit donc Charlotte Square. Quand vous passerez à Édimbourg dans 2-3 jours, vous verrez dans la nouvelle ville la place Charlotte Square. C'est une des plus belles. Ok, donc nous suivons notre chemin par la High Street. Et ben, alors ce bâtiment avant la City Chambers, donc le bâtiment George Square. On a mis nos oreilles contre les murs aussi. Le nom de la rue, c'est Tron Gate. C'est une grande rue de shopping à Glasgow. Donc le Market Cross, les bus, les métros, les trains, deux gares, toutes sortes de choses. Donc nous approchons de Glasgow Green. C'est ici qu'on a eu les Jeux de Commonwealth l'année passée. On a eu le hockey qui se déroulait à Glasgow Green. Aussi le Glasgow, le Battle of Trafalgar, donc ça fait 200 ans, hein, 1815. Il y a plusieurs monuments et derrière les arbres à votre droite, il y a la rivière de Clyde dans laquelle Glasgow est connue. Ici à droite, vous avez le jardin de l'hiver avec des plantes exotiques, le musée, le People's Palace, un bâtiment modelé sur le palais noir. Ok, monsieur, dame, donc nous allons s'arrêter ici pour un photo stop. Donc c'est un pub. Clutha, c'est le nom pour la rivière Clyde des Romains qui sont venus ici au 1er et 2e. Donc pour faire le vélo et marcher, c'est très joli, hein, la rivière Clyde. Donc à droite, il y a la cathédrale Saint-André. C'est une cathédrale catholique. Donc les rouges, où il y a des échafaudages, ça s'appelle le Rotunda. Et il y avait tout à gauche, nous avons STV. Donc si vous écoutez les nouvelles ici, c'est de SSC Hydro. Donc c'est ça. Donc on va vous montrer un bâtiment très iconique de Glasgow. Ça s'appelle The Armadillo, le Tattoo. C'est construit par Norman Foster. Et alors c'est en aluminium comme ça. Alors nous passons au-dessus de la rivière Kelvin. Regardez à gauche, messieurs, dames, vous avez une magnifique vue de l'université de Glasgow sur la colline, donc style gothique. Et ici, tout de suite à gauche, c'est Kelvin. Over the years, it's a lot easier now than it used to be. Yeah. That was an absolute horror. Il y a donc des dîners privés et tout ça. Et alors, ça risque d'être un peu difficile. Hein. Thank you.